欢迎进入沪江网校走遍法国课堂。大家好，欢迎大家继续走遍法国 A2 部分的学习。在上一次的课程中，我们已经学完了我们 Episode 9课文的三分之二，今天还有最后的三分之一的内容在等待着我们。上次学到什么地方大家还记得吗？那我们就赶紧进入今天的第一个板块，温故而知新。首先一起来回顾一下上一课所学到内容的视频。À l'Élysée. Allez, moi aussi je suis majeur. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne. Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. Écoute pas, il est jaloux. Alors Royer, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait. Alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir? Tu vas où? À l'Élysée. Et moi aussi, je suis majeur. À l'agence de voyage. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne. Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. Écoute pas, il est jaloux. Alors Royer, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait. Alors on se voit demain. 这部分内容大家是不是都听懂了呢？我来问大家几个问题，检验一下吧。第一个问题， Qui est-ce que Benoît va chercher à l'aéroport? Qui est-ce que Benoît va chercher à l'aéroport? Benoît 要到机场去接谁呢？Il va chercher Mademoiselle Tayama à l'aéroport. Il va chercher Mademoiselle Tayama à l'aéroport. 他要去接的是 Tayama 小姐。Tayama 是来自日本的。第二个问题， Habituellement, est-ce que Benoît, Julie et Pascal prennent leur dîner ensemble? 这句话稍微复杂一点，我再说一遍。Habituellement, est-ce que Benoît, Julie et Pascal prennent leur dîner ensemble? 首先是有没有听懂呢？一般来说， Benoît, Julie和 Pascal 他们是不是一起吃晚饭的呢？答案应该是什么？答案应该是 oui。 那么为什么这样说呢？因为 Benoît 有这样的一句台词在我们的课文中间，他说 Ne m'attendez pas pour dîner ce soir， 今天晚上不要等我吃饭了。Mangez tous les deux， 你们俩吃吧。那言下之意就是平时一般是在一起吃晚饭的比较多，这是我们的一种估计。好，继续问问题。Quand Benoît est arrivé au bureau, pourquoi il est essoufflé? 大家有没有听懂啊？ Quand Benoît est arrivé au bureau, pourquoi il est essoufflé? 当 Benoît到达办公室的时候，为什么他是气喘吁吁的呢？ Parce que il est monté à pied. Parce que il est monté à pied. 因为他是走着上去的，所以呢，当他到办公室的时候，他是气喘吁吁的这种状态。
Mais pourquoi il est monté à pied? Mais pourquoi il est monté à pied? 那他为什么要走上去呢？为什么他放着电梯不坐，要走上去呢？难道电梯坏掉了吗？答案相信大家都是知道的。Pour garder la ligne. Pour garder la ligne. 为了保持身材，本诺瓦之所以走上去而不坐电梯，是为了减肥，保持身材。然后参照他们的对话，我们再问一个问题。Pourquoi Benoît est aussi élégant aujourd'hui? Pourquoi Benoît est aussi élégant aujourd'hui? 为什么他今天穿得这么帅呢？这个时候我们可以引用前面说过的话。Parce qu'il va chercher quelqu'un à l'aéroport. Parce qu'il va chercher quelqu'un à l'aéroport. 我们也可以用课文在这部分的时候他原文当中的一个回答。Parce que il a un rendez-vous important. Parce que il a un rendez-vous important. 这样也是可以的。我们继续问。L'avion de Mademoiselle Tayama arrive à quelle heure? L'avion de Mademoiselle Tayama arrive à quelle heure? 那么正确的答案应该是 Son avion arrive à 17h20. Son avion arrive à 17h20. 课文当中曾经说过他的飞机呢是要在晚上的5点20分到达。Est-ce que Benoît a préparé une pancarte pour chercher Mademoiselle Tayama? Est-ce que Benoît a préparé une pancarte pour chercher Mademoiselle Tayama? Benoît 有没有准备一块牌子为了去接戴亚玛小姐呢？答案当然是有啦，所以如果是比较简便的回答的话呢，你只要说 oui 就可以了。如果是希望回答的稍微完整一点呢，你也可以说 Oui, il a préparé une pancarte. Oui, il a préparé une pancarte. 再来一个问题。Est-ce que Benoît, il va dîner ensemble avec Mademoiselle Tayama? Est-ce que Benoît va dîner ensemble avec Mademoiselle Tayama? 答案当然也是 Oui.如果你愿意用课文的句子来丰富一下你的回答的话，还可以说 Oui, il a réservé deux couverts dans un bon restaurant. Oui, il a réservé deux couverts dans un bon restaurant. 问的是 Benoît 是不是打算和 Mademoiselle Tayama 一起共进晚餐呢？回答是是的，他在一个比较好的、比较高档的餐馆里面呢，订了两个座位。复习的内容基本上就到这里结束了。在上一次我们所学到的这部分内容的最后， Benoît 和他的上司说好要去接 Mademoiselle Tayama。 那么这位日本的女士究竟是谁呢？既然是旅行社的上司告诉 Benoît 要去接，那么大概就是旅行社的客户吧。旅行社的客户用法语应该怎么说呢？ Une cliente de l'agence de voyageUne cliente de l'agence de voyage. 其实学到现在，我们已经有不少的内容可以用法语来进行表达咯。那么在接人的过程当中，会不会发生什么奇怪的事情呢？ Benoît 能不能顺利地接到 Mademoiselle Tayama 呢？他会不会喜欢这位来自异国的女性呢？要回答这么多问题，我们就要进入今天的课文细细讲的板块。一起来继续学习下面的课文内容。我们先看一下视频。Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale.
Dites-le avec des fleurs. Monsieur Benoît Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. Elle est comment, cette demoiselle ? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris ? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. À l'aéroport de Roissy. Monsieur Benoît Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda.大家看了这段课文有没有笑呢？课文的最后比较的出人意料，而且呢台词又都比较简单，所以相信大家应该是看懂了。我们这个板块就叫做课文细细讲。 那我们就一点一点的细致的把课文给解释一下吧。首先有一个背景说明， Le chef de service sort du bureau. Le chef de service 大家知道是科长啊，部门负责人的意思。接下来动词的结构 sortir de 什么意思呢？从哪里出来？ Il sort du bureau， 他从办公室里边出来离开了办公室。那如果是他离开了学校，又应该怎么说呢？ 我们可以说 il sort de l'école， il sort de l'école。 当然我们刚才看到的是 le chef de service sort du bureau， 科长从办公室出去了。科长一出去以后呢，刚才那个比较八卦的同事马上就把脑袋探进来了，他说 il est comment cette demoiselle， 这个其实也挺正常的哈，男人在一起经常的话题就是谈女人。 il est comment cette demoiselle， 她是怎样的？其实呢，指的就是长得怎样。 Cette demoiselle， 这位小姐。那我们还学过一个词叫做 mademoiselle。 那么 mademoiselle 和 demoiselle 有什么区别呢？ mademoiselle 是直接称呼的时候用的，比如 Bonjour mademoiselle， 小姐你好。而 demoiselle 呢，是用于第三人称描述的，比如 Elle est comment cette demoiselle， 这位小姐长得怎样呢？ 这个有点类似于 Madame 和 Dame 之间的区别。那 Madame 呢也是称呼，根据刚才的例子换一下 Bonjour Madame 啊，夫人你好。那我们这位 collègue 他所说的那句话 Demoiselle 也可以换成 Dame， Elle est comment cette Dame， 这位女士她是怎样的呢？也就是说 Dame 这个词是用来描述的。 值得注意的是，这位 colleague 他在说话的时候呢，我们在课文上可以看到有一个括号，括号里边写着ironic， 这个和英语差不多，它的意思是什么呢？讽刺的，或者说调侃的。这位同事进来的时候呢，他不是非常一本正经的问话，而是一种非常调侃的语气在与 Benoît 说话。Benoît呢也顺着杆往上爬，ravissante。那么什么叫做 ravissante 呢？ 再参照一下今天我们学的这个课的标题，叫做 Ravi de faire votre connaissance。 以前我们有学过 Je suis content de faire votre connaissance， 或者 Je suis enchanté， 或者是 Je suis heureux de faire votre connaissance， 这些都是可以的。但是 Ravi 呢，我们以前没有学过。这个 Ravi 和我们的 ravissante 之间是什么关联呢？当然，很容易从长相上面就看得出来，他们是一家子。 啊，长得比较像嘛，是亲戚。他们都来自于一个动词的不定式，叫做 ravir，
那么什么叫做 ravir 呢？令人狂喜，令人非常开心，叫做 ravir。 那么根据构词法， ravissant 是 ravir 这个动词的现在分词， ravi 是 ravir 这个动词的过去分词。我们都知道现在分词和过去分词，它们不光是只能做分词的形式，而且它们还可以被拉来做形容词。现在分词在做形容词的时候，它的方向是与原来的动词一样的。什么意思呢？就是 ravir 是令人非常高兴，令人狂喜。那么 ravissant 呢，作为形容词，它就是令人狂喜的。而过去分词 ravi 它的方向是与原来的不定式相反的，也就是在中文里边会加一个被。ravir 是令人狂喜，那么 ravi 呢，就是被别人令人狂喜。当然这个中文就不通了，在中文里边如果又有被又有令人这两个意思，那么我们的做法就是把使和令人两个词都删掉，哎，这个时候中文就通顺了。所以呢 ravi 就翻译成狂喜的，非常非常高兴的就可以了。这个时候我们再回过头去看刚才的那两个词就非常清晰了。Collègue 问 Elle est comment cette demoiselle? Benoît 说 ravissante， 这个女生长得怎么样呢？令人狂喜的。哎，当然这样翻译呢就不是特别的顺，那我们可以翻译成非常漂亮，非常迷人。我们翻译的时候呢一定要注意根据实际的上下文来进行选择中文的释义。那么标题叫做 Ravi de faire votre connaissance， 这个其实在书上已经给了大家翻译了，很高兴认识您。Ravi 这个词呢在含义上要比 content 更加强烈一些。说到这个 Ravi de faire votre connaissance 呢，大家有没有看过法国的喜剧 Taxi 系列？ Taxi 呢有1、2、3、4部，在第二部的时候呢，男主角去见了他女朋友的爸爸，也就是他未来的岳父。这位岳父呢以前是一位军人，所以非常的严肃也很严格。那么男主角第一次见他的时候呢就非常热情地说，Je suis ravi de faire votre connaissance， 非常非常高兴认识您，然后把手伸出去准备与他握手。结果呢这位未来的岳父根本就不把手伸出来，直接就开始考我们这位可怜的男主角了。建议大家在有空的时候可以看一下 Taxi 的系列，尤其是第二部非常的有趣。看完以后呢，可能大家对学法语的兴趣就更浓了。法国人的幽默感在全世界可是能排得上号的哦。我们继续来看课文。那么 Benoît 说 ravissant 以后呢， collègue 是什么反应啊？他说 Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris？ 这个反应好奇怪哦。那一般的反应难道不应该是给我看一下他的照片吗？那我们就来操练一下，如果他要说给我看一下他的照片，应该用法语该如何表达呢？应该是 Montre-moi sa photo， Montre-moi sa photo， 给我看一下他的照片。动词的不定式是 montre，这里呢要用命令式 montre-moi， 给我看一下。请注意在 montre 和 moi 之间呢有一小横。不过呢实际上 collègue 说的是 Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris？ 那么为什么他要到巴黎来呢？那么我想问一下 Quelle est sa nationalité？ 实际上他的国籍是什么？ Quelle est sa nationalité？ Elle est japonaise。Elle est japonaise， 她是日本人，所以呢才会有我们这位 collègue 的问话 Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris？ Benoît 说 Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais。 哇哦，好长的一句答句，我们来把它一点一点的分析清楚。首先 Parce qu'elle est chargée de， Parce que， 因为 Elle est chargée de，这里的结构呢就是 être chargé de 后面加上一个动词的不定式，表示负责做某事。比如我想要表达 Benoît 呢负责到餐馆里去订两个位子，用法语应该怎么说呢？ Benoît est chargé de réserver deux couverts dans un restaurant。 Benoît est chargé de réserver deux couverts dans un restaurant。 那么我们课文当中的这位 elle 他负责做某事呢？Elle est chargée d'organiser un voyage cet été。 她呢负责组织一次旅行。 Organiser un voyage， 什么时候呢？ Cet été， 今年的夏天。那么组织哪一些人来参加这个旅行呢？
pour un groupe de paysagistes japonais. 为谁呢？为的是一群 un groupe de paysagistes， 这个叫做园林设计师。这个词呢和我们常用的另外一个词 les paysages 风景非常的接近。paysagiste 从它的构词法来看呢，应该是设计风景的人。那么实际上呢，在我们这个课文当中，它指的是园林设计师。这也就是为什么在后面的课文当中呢，有很多参观法国园林公园的这样的设计。那么整个这句话 parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un programme de paysagistes japonais， 它的意思就非常清楚了。为什么这位戴亚玛小姐要到巴黎来呢？因为她负责组织一次旅行。今年的夏天组织谁呢？就是一群日本的园林设计师。那目前她是几个人来呢？目前好像是一个人哦，因为没有说有人陪同的事情。那么到这个地方呢，就非常清楚了。这一位戴亚玛小姐呢，其实是先来踩一下点，了解了解情况。如果一切都 OK 的话呢，接下来对于旅行社来说呢，就会有一个大单，有一群的日本人会到这里来旅行。这个时候呢，我们就明白了为什么 Benoit 的上司他好像比较的紧张这件事情，因为这件事情的成败会决定后续的销售。不过 Benoit 说完了这么长一句话以后呢，他还不过瘾，还要继续往下说。Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. 什么叫做 au programme 呢？就是在行程安排当中有什么什么的内容。这里的 au 是一个缩合冠词，也就是 à le 缩合在一起以后的形式。Le programme, 行程安排。Visite des beaux parcs de la capitale. 注意哦，这里的 visite 是一个名词，意思当然还是指参观。Des beaux parcs de la capitale， 实际上这个 des 呢也是缩合了，它应该是 de les。 那么整个这句话 visite des beaux parcs de la capitale 表达什么呢？ capitale 是首都，参观首都的那些非常漂亮的公园。为什么要参观公园呢？因为他们是日本的园林设计师，大概是为了学习一下法国同行们的设计作品吧。 beaux parcs 漂亮的公园。最后这位 collègue 一脸坏笑地说 dites-le avec des fleurs， 这句话好像有点令人费解。什么叫做 dites-le avec des fleurs？ 从字面上来说， dites 是什么动词的命令式呢？是 dire。 那么 dites-le 说 le 是什么呢？这件事情或者是这个话，那具体是哪件事情呢？ avec des fleurs 带着花儿，哎，这又是什么意思呢？这个时候如果我们去看一下课文后面的注释的话，我们会看到它是这样说的，举上下文可理解为但愿你交上桃花运。但是好像我们还不能完全理解，其实如果你走进了一家法国的花店，也许你就能够理解这句话的含义了。在花店里经常会看到这句话 dites-le avec des fleurs， 什么意思呢？带着花说这件事情。那么什么事情呢？当然就是 je t'aime 了。花店为了卖他的花，会在店里边写上这样一句话，他希望你能够带着花去和你爱的人说 je t'aime。 所以呢 dites-le avec des fleurs 在我们课文中间呢就是这样一句具有暧昧色彩的话，因此我们的课文注释才会把它翻译成但愿你交上桃花运。接下来让我们回看一下刚才这段视频吧。Elle est comment cette demoiselle ? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris ? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. Elle est comment cette demoiselle ? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris ? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais.Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. 一起做些练习，巩固学到的内容。
那 Benoît 能不能顺利地接到 Mademoiselle Tayama 呢？我们继续往下看。Monsieur Benoît Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. À l'aéroport de Roissy. Monsieur Benoît Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. 这段内容是比较搞笑的，而且配乐也很有意思哈。比较有趣的一段日本音乐，贝诺瓦终于没有能够接到一位异国的美女，而是接到了一位日本的中年男性，真是令人扫兴啊。这段内容呢，如果大家对照着教材来看的话，会发现有很长的一段背景介绍，那都是一些非常好的第三人称描述的内容，我们一起来学习一下。 Un taxi s'arrête devant l'aéroport de Roissy。一辆出租车停在了华西机场的门口。华西机场是哪里呢？大家还记得不记得？就是戴高乐机场了。S'arrêter， 车辆停下。Benoît descend du taxi。Benoît 从出租车上面下来了。Et entre dans l'aérogare。我们有学过 l'aéroport，aéro 是航空的这样一个词根。Port 是港口，那么空港其实就是飞机场啦。Aéroport， 那么 Aérogare 又是什么呢？ Gare 是什么意思？ Gare 可以指火车站，那么加上 Aéro 这样一个前缀以后，它又能指什么呢？有的同学也许能够猜出来，实际上就是候机楼的意思。Benoît 到了机场，进了候机楼。Il regarde les panneaux d'arrivée。这个 les panneaux d'arrivée 呢，上次我们在讲图的时候已经介绍过了，就是可以看到飞机几点几点到的那块显示屏。Benoît 看了一下那个显示屏，或者说看了一下那个牌子。Le vol en provenance de Tokyo est annoncé pour 17h20. En provenance de 是一个比较常见的短语，表示来自于哪里。那么 vol 呢，我们已经知道是航班的意思。来自于东京的航班被宣布是几点到呢？17:20，下午5:20到。Benoît attend， 那于是呢 ，Benoît 就在那边等待。Il tient une pancarte à la main et une photo。这个 tient 是什么意思呢？在这里实际上是 tenir 这个动词的变位。Il tient une pancarte à la main， 他手里呢拿着一块牌子，为什么？为了接 Mademoiselle Diana。另外呢 ，et une photo 还拿着一张照片。他可以核对哪一个是 Mademoiselle Tayama。Les voyageurs sortent， 游客们出来了。
pas de Mademoiselle Tayama. 然后还有个惊叹号，哇，竟然找不到 Mademoiselle Tayama， 多么神奇啊！因为他曾经说过肯定不会找不到 Mademoiselle Tayama。所以呢，接下来一个反应就是 Benoit et Anki， Benoit 比较担心。这个时候呢， un Japonais s'approche de lui， s'approcher de 靠近。这个时候有一个日本男人，哎，这是阳性的啊，所以是男人，日本男人呢靠近了 Benoit。 他是谁呢？他叫什么名字呢？当然这个在我们课文当中都有写，他是 Monsieur Ikeda。 那 Monsieur Ikeda 就说了 Monsieur Benoit Royer， 他问对方是不是 Benoit Royer 呢？ Benoit 说 Oui c'est moi。 然后这位日本人说 Je m'appelle Ikeda， 我的名字叫 Ikeda。Je remplace Mademoiselle Tayama， 我呢代替 Tayama 小姐。本来是 Tayama 来的，现在她来不了了，为什么呢？ Elle est partie hier pour les États-Unis。 Les États-Unis 是什么地方啊？美国。所以说呢，就是昨天她出发去了美国，因此就不能够来法国了。 Elle est désolée， 她非常的抱歉。比较有趣的呢，是这个 Ikeda 说 Elle est désolée 的时候表情非常的贱，说的话是他很抱歉，但是呢他乐的这个样子就好像在说他不来，所以呢我就能够来了。然后 Benoit 是什么反应呢？ Benoit 非常的错愕。那么在我们课文当中呢也打了一个括号写着 surpris， 确实他非常的惊讶。但是呢 Benoit 还是一个很职业化的人，虽然心里不爽，不过他嘴上还是说没啊，他挣扎了一下，小小的透露了一下心声，没。后面呢马上就转得比较正常了，他说 Je suis ravi de faire votre connaissance Monsieur Ikeda， 我非常高兴认识你啊，不是一点点高兴，我说 ravi 那么那么的高兴，我非常高兴认识你 Monsieur Ikeda。 这个时候呢就完美的对上了我们整个这一课，它的标题叫做 ravi de faire votre connaissance。明明心里是不开心的，但是呢却还要说 ravi， 是不是有一点讽刺的意味呢？有一点 ironic。 最后一起来回看一下最后一段视频。Monsieur Benoit Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, Monsieur Ikeda. À l'aéroport de Roissy. Monsieur Benoit Royer ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, Monsieur Ikeda. 这一段的文字还是比较简单的。到这里呢，我们已经把第九单元 Episode 9 的全部内容都学完了，请大家按课件上的按钮把第九单元的视频完整的看一遍。
Salut. Salut. Tu es tombé du lit? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui. Non, mais je me suis levé tôt. J'ai beaucoup de travail. Dis donc, t'es rentré tard cette nuit? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. J'ai pas beaucoup dormi. Tiens, tiens. Et je suis majeure, hein? Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République. Yeah. Dossier 5, épisode 9, ravi de faire votre connaissance. Au petit déjeuner, dans la cuisine. Salut. Salut. Tu es tombé du lit? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui. Non, mais je me suis levé tôt. J'ai beaucoup de travail. Dis donc, t'es rentré tard cette nuit? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. J'ai pas beaucoup dormi. Tiens, tiens. Et je suis majeure, hein? Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir, hein. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir? Tu vas où? À l'Élysée. Et moi aussi, je suis majeure. À l'agence de voyage. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne. Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. Écoute pas, il est jaloux. Alors voyez, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, non monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si, et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait. Alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. À l'aéroport de Roissy. Monsieur Benoît Royer? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisin Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda.
接下来我们进入今天的最后一个板块，课后小考验。我们已经把第九单元的课文全部都学完了，那么在这个课后小考验的环节里面，我们考验大家什么呢？这里有这样一道题，它叫做 Quel événement a précédé l'autre。 这里的这个动词 précédé 它表示在什么什么之前，所以呢整个这句话的意思就是哪一个事件是在另外一个事件之前。我们先来看第一组，第一组中间呢有两个事件。A. Julie a posé des questions à Benoît dans la cuisine. Julie 问了一些问题，问 Benoît， 那么具体的位置是哪里呢？在厨房里面。第二个选项， Benoît a interrogé Julie sur sa soirée. Benoît 呢问了 Julie， interrogé 是提问的意思，问了 Julie 关于什么呢？ Sur sa soirée， 关于他晚上做一些什么事情。 Soirée 呢就是晚上的时间了。那么关于对方做了什么事情，到底是 Julie 先提的问题还是 Benoît 先提的问题呢？大家还记得不记得呢？实际上是 Julie 先提的问题，所以呢正确的答案是 A。 第二组还是两个事件。 A. Le chef de service a rappelé son rendez-vous à Benoît. Benoît 的上司提醒 Benoît 关于一个 rendez-vous 的事情，那么是哪个 rendez-vous 呢？其实就是去接 Mademoiselle Diana 这件事情。B. Un collègue a posé des questions à Benoît sur Mademoiselle Diana. 有一个同事问 Benoît 问题，关于 Mademoiselle Diana， 那到底是哪个在先呢？这个呢就是我们今天学习的内容了，所以大家是不可能会忘记的。 Chef de service 和 Benoît 交谈在前，而同事和 Benoît 谈论 Mademoiselle Diana 在后。还记得不记得 Elle est comment cette demoiselle？ 第三组。A. Benoît a pris un taxi pour aller à Roissy. Benoît 坐了一辆出租车去华西机场，也就是戴高乐机场。B. Benoît est monté au bureau à pied et il est essoufflé. 这个呢我们比较容易判断的，他当然是先爬上了办公室然后才去华西机场的，所以呢哪个发生在之前呢？当然是 B 了。第四组。A. Un Japonais s'est présenté à Benoît. 有一个日本人向 Benoît 进行自我介绍。Il remplace Mademoiselle Diana. B. Benoît a attendu la sortie des voyageurs du vol en provenance de Tokyo. 注意一下，这里的 sortie 是一个名词形式，出来，等着谁出来呢？等着来自于东京的游客们出来。哪个发生在前？这个还用说吗？当然是先等才有人出来了，所以答案也是 B。 今天的学习内容大家都掌握了吗？如果没有的话还可以倒回去再复习一下哦。 C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Déjeuner, y penser au moins. Tenir, tenir, tenir.